Salut Mitupet, c'est moi, nous retrouvons donc pour la suite de Final Fantasy Tactics Advance. La dernière fois, nous avons une quête imprévue pour apprendre une nouvelle compétence au job élu de Adèle. Oh, pour les gros, alors c'est toi qui es venu m'apporter les terres ? Mais ouais, d'avoir fait fort bon. Dis-moi, tu as visité la mine de boue ? On y couvre des joueurs pour le moins insolites d'une époque, disons, incertaine. C'est-à-dire quoi qu'ils viennent d'un autre monde ? C'est ce que je me suis dit aussi. Au fait, avant que j'oublie, voici votre terre. Oh, je te remercie, Mia. Mia, pas les amis goûts, mais j'ai envie d'aller faire un petit tour. Au revoir, Bolero. Ah, c'était juste une quête de livraison. Ah, je pensais qu'il y aurait un combat vu que c'était déplacé, tout le bordel. Ah là, deux missions en fait dès le début. Bon, là, on va pouvoir faire plus que le nombre de quêtes habituelles. Quête 3, là, on va pouvoir en faire 5. C'est une haute progression. Bon, n'oublie pas de changer de job. Le mettre à chevalier Mog en attendant. Hein. Je sais pas quoi le fout ton jeu. Bon, on va voir ce qui traîne à l'auberge. Rien d'Elgantua. Morabella. Désert de Kitli. Ah merde, c'est un jeu copo brun, dommage. J'invoque pas les éons. C'est pour les tapettes. D'ici que le mec qui prend le job invocateur. Ouais, mais invocateur, c'est pas aussi cheaté que des éons. Les éons, ça touche tous les ennemis. Ouais, faut faire monter mes niveaux 47, hein. Oh non, pourquoi on tombe toujours sur des monstres? J'espère au moins que ces trésors vaut le coup. Bah, on tombe toujours sur des monstres parce que sinon la mission sera faite en 2 secondes qui n'aurait aucun intérêt, petite. Réflexe Saint-Ol. Ah, RIP moi. Obligé. Désolé, mais j'ai pas envie d'avoir contre moi un mec qui a double lame. Hein. Bien protégé par contre les trucs de recherche. Les zones de recherche, on dirait que je me suis tapé homme charme, tiens. C'est comme ça pour toutes les autres, ça va être pète cool.
C'est bien d'être super efficace, quel que soit l'ennemi. C'est génial. Piège ou pas piège? Lui il peut rien faire. Pour quelqu'un sensible au vent, je fais pas masse dégâts. Hein. Autant avancer le plus lent possible. Piège! C'est marqué Riquet sur quoi? C'est sûrement ça le trésor. Je m'attendais à autre chose, allons lui rapporter. Ah! Désolé. Bah quoi, plénitude déjà? Ça peut toujours être utile. Faut voir si j'ai pas un autre canon antique qui traîne en magasin parce que là. Le gagant tu as. Bon bah c'est pas par là. Hein. Ah, c'est bientôt la saison des enchères, tiens. Je fais juste la saison des enchères, voir s'il n'y a pas des tabis ninja qui traînent, personnellement. Je pense que j'ai quasiment la plupart des âmes rares. Bon, on va aller s'acheter un autre canon antique s'il y en a un qui traîne au magasin. Bon là, pour un truc comme ça, il me faut des personnages à haut déplacement.
Moi? Que vont-ils sur les toits? Ils sont sûrement des cambrioleurs. Ah, nous retrouvons enfin un bande de voleurs de sous-vêtements. Ne bougez pas, monsieur le président. Je m'en vais chercher votre ou combien précieux cassion à fange, à frange. Surtout que ça ne fera rien sur le château, que ça sera la tête de notre chère maison d'édition. Oh, mais rendu qui. Un peu qui voilà un clan de bras entiers, vous tombez à point nommé, mes amis. Détruisez donc ces villes comme rien, loin de l'honneur de monsieur Bonga et de l'avenir de ma carrière. Vous êtes tombés, nous sommes justement venus pour les arrêter. Sérieusement, vous pourriez faire quoi avec votre level 10 là? Alors j'ai déjà perdu un round. J'ai même pas le droit de jouer, je pars déjà un round. D'accord. Waouh. Aïe. Par contre, ma riposte, elle a pas loupé. Bon, désolé de te l'apprendre, mais tu es... Tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ah, ah non, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. C'est censé faire 225 quand même, hein. J'ai fait que 180, mais bon. J'ai un peu perdu 45 points de dégâts. Je serai pile poil à la bonne distance pour le frapper. Au moins ils descendent pour venir me voir quoi, ça m'évite de faire pas mal de chemin. Ah ou pas. Là c'est clairement de la fuite là. Et on me fuit pas. Quoi? Mon humour faire des dégâts? Non, 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 il fait rien en dégâts. Mes points de magie, connard.
pute. Alors veux-tu que je te chope si tu t'enfuis comme ça, enculé? Alors, pour toi, j'ai plein de mecs qui peuvent attaquer à distance. Là. J'ai pas envie que tu joues, donc... Désolé, mais... Tu dois mourir dans ta souffrance. J'ai pas assez de dégâts. La chute était pas seule pour le tuer. Fuck. Ah merde, c'est vrai, je peux pas le tuer avec lui. Oh bah. On change de cible, hein. Bon. Waouh, un 19 de dégâts, mais tu es puissant, Red Hack Chef. J'ai bien peur que ma magie n'ait pas assez de distance pour le frapper. C'est grave si je tue le Red Hack Chef au passage. Normalement, je pense pas, mais... Ah, dommage collatéral, hein. Bon, je l'ai même pas tué. Ah oui, on peut pas le tuer. C'est vrai, il lui restera forcément un point de vie. Victoire. Mais oui, enfin, heureusement que j'étais là pour superviser, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a droit? Ah, le voilà. Oh, mais il a perdu presque tous ses francs. Il est déchiré sur les côtés. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bunga, avec son sang-froid, je suis persuadé qu'il sera toujours aussi beau sur vous. D'ailleurs, ces nouvelles échancrures sont du plus bel effet. Madame, votre épouse en sera sans nul doute charmée. Merci encore, mes amis. Grâce à vous, j'ai retrouvé le casson préféré de monsieur Bunga. Même si on ne le reconnaît plus qu'à l'odeur, à la couleur. Le moment que tout le monde est content. Tiens, un décombré a perdu quelque chose. Un bout de papier couvert de boue. C'est à quoi il serait un message codé, non, ça m'étonnerait de. Ah, en plus elle est puissante l'arme. Pour aller plus vite. Comme ça, il est déjà équipé. Ouais, ouais. Ah, tiens. Hey les gars, si vous voulez profiter de nos labels, va falloir une donation à notre merveilleux clan. Avec qui on n'est pas d'éditeurs, juste des protecteurs. Vous ne décevez, vous gardez la vie. Bon, tenez. Le compte est bon. Faites ce que vous avez à faire et rentrez chez maman. J'avais pas envie de me faire chier les combattre.
révèle notre mission. À faire. 5 piges, c'est rien pour moi, c'est de la mini-monnaie. C'est de l'argent de poche. Ah, oh, que dommage. Ah. Oh. J'ai un drôle d'hôtel. 20 kills ennemi, ouais, bah ça, je m'y attendais, évidemment. Ah. Ok, j'ai pas le droit via. Enfin, ça résout, hein. Est-ce que Pedelo est considéré comme une Vira? Attendez, est-ce que elle est considérée comme une Vira? Ouais, elle est considérée comme une Vira. On voit le dessin hein, Vira. Vous voyez, il y a, tu vois, Ronin, il y a, on voit une gueule d'un Vanga côté, en dessous du 09 High Tireur, là, et à gauche de High Tireur. Ouais, donc elle est bien considérée comme une Vira, contrairement à Adèle qui est considérée comme une humaine. Ok, bon bah j'ai pas le droit de tuer Pénélo. Arrête Pénélo. Ah, je voulais vous utiliser, mais j'ai pas le droit. Le clopeste mojo, c'est ici, nous sommes le gang Serpentine. Salut, où est la proie? C'est vous la proie. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as toujours pas compris? Il n'y a pas de proie. Ou plus exactement, c'est toi la proie. Tu as foncé dans mon piège, tête baissée. Seul moi, Dieu, que ce pas aurait pu jamais un tel traquenard. Moi, moi. J'aurais pourtant arrêté que c'est là qui devrait créer. Bravo, t'as génie, Duc, Oura, etc. Ah, Maxi, c'est dans question secrète. Juste une bande de bras cassés, oui. Les choses qui comptent, c'est la victoire. Une victoire écrasante, une victoire totale. Enfin, une victoire tout court me suivra pour l'instant. Aujourd'hui, la proie est un clan. Beaucoup de paroles et peu de résultats. Voyons si tu es aussi bon guerrier que baratineur. Déjà, on va lui foutre vélocité à Van. Est-ce que ça dure tout le long de la map? On met tous les petits buffs, hein, pour emmerder les gens. Ouch, connard. Tu oses s'approcher de moi? Tu as envie de comprendre ton erreur? Bon, par chance, normalement, lui, il a des tactiques un peu de soin. Genre Resurrex. De toute manière, je pourrais toucher personne en début. Oh, il fait mal quand même. Pouh. Oh. Oh. Oh, c'est méchant ça. Oh, c'est méchant. Le pouce est dans un piège. C'est tellement méchant. Bah vas-y, attaque-moi, je t'en prie. J'ai peur d'avoir mal. Ouch. Ikazuchi! Aïe.
La map a à peine commencé, t'en as déjà un qui est en PLS absolu et total. Hein. Ah non, il a pas ça en fait, non. Je confonds avec... une autre personne. Je confonds avec FFTA 1. Oh! Bon, ça marchera pas, charme sur lui. C'est le boss. Mais ça a permis quand même de faire quelques dégâts. Bon, voyons voir combien de dégâts fait Rapiné, hein. Ouais, c'est pas énorme. Mais sur lui, ça devrait passer rapidement. Ouais, pas très efficace, hein. Fait exprès pour les mettre l'un à côté de l'autre. Pour le prochain tour. Que je jouerai mon Numu si l'autre il bouge pas. Si vous bougez pas. Ah bah il y en a deux d'un côté de l'autre, le seul problème c'est que vu comment il est placé, je vais devoir faire des dommages collatéraux. Ah non non, je peux en viser deux sans faire de dommages collatéraux en fait là. Puis là j'ai mis c'est le dresseur. Allez, mets-toi au milieu. Mets-toi au milieu de tes deux potes, pitié. Bon il est pas assez con pour faire ça. Mais ça aurait pu. Bon bah rip mon humain hein. Là, il va viser un sort pour viser les deux. Ou pas. Je regarde quand même leur absorption élémentaire hein, pour ne pas me faire niquer. Oh, je laisse lui pour rapiner, hein. Si je peux avoir un drop supplémentaire, hein, on va pas se priver. Hein. Ouh, double attaque, vous m'excusez, mais je vais pas balancer ça sur l'autre mage. Hein. Ni victoire totale, ni victoire écrasante pour toi, visiblement. Mon chien, je serais peut-être mieux de rejoindre le rang de cette reconnaissance surpuissante.
Oh bah l'épisode a été court, hein, j'ai vite rushé les 3 missions. Putain, désolé. Oui, l'autre ange déchu. Bon bah là-bas, ça sera déjà fini, là. Ouais, normal qu'on voit une quête, là, c'est normal, c'est la quête scénar. Je voulais pas aller à l'auberge, mais c'est pas grave, on va regarder les rumeurs. J'ai bien fait. La nouvelle rumeur, donc de nouvelles quêtes potentielles qui vont apparaître. Blup. Arme sacrée, ah. Le Zamato. Oh, attaque ultima. Mais pas déjà. À mon avis, je l'avais pas et je suis plutôt content de l'avoir récupéré là en fait. Allons aussi dans le jeu l'attaque ultima. Cool. Ah, la furie peut la prendre. La Solaris, quand même une épée puissante. Il faut que je regarde quand même les épées rares, hein, quand même. Voir leur puissance, voir si ça vaut le coup. Voir quelle classe peut les prendre. Bah, la Damaton et la Matériel, j'étais déjà. Quand je dis, j'en ai déjà plein. Je peux la mettre à ma. À qui je pense, donc. Stellari, j'en ai déjà une, mais pour qui peut les mettre? Ah, Harpie, Sentinelle, Guerrier, ouais. Élu? Ah oui, mais c'est une épée de main, ça m'arrange pas. Ah, obligé de mettre Zamato, hein, là. Ah, obligé, hein. On se rend fan technique d'assassin, mais assassin. Enfin, putain. Ah, j'ai qu'à rouler l'existence de technique. Donc, sur ce, mes petits pestes mojo, je vous remercie de regarder. On vous donne rendez-vous lors du prochain épisode. Et sur ce, salut, salut.